Alors, je suis très heureux d'être venu à cette réunion, d'abord parce que c'est la première depuis très longtemps, depuis le confinement, depuis l'épidémie. Donc, j'espère que c'est de bon augure pour la suite. Ensuite, parce que c'est Harold Parizeau qui fait un très très beau travail dans les liens entre la France et la Chine. Et puis aussi parce que c'est Huawei et que je trouve extrêmement intéressant d'avoir ce genre de discussion entre cette entreprise. On voit que les Allemands l'ont choisi, on voit que d'autres pays européens l'ont choisi. Nous, il y a des craintes, et c'est tout à fait normal qu'elles s'expriment. Il est important aussi de pouvoir parler de l'intérêt, des avantages, des inconvénients, de l'intérêt que notre pays pourrait avoir aussi dans le virage numérique qu'il est en train de prendre avec un acteur de ce niveau. Cet événement était intéressant, d'abord parce que, comme d'habitude, il amène à la même table des Chinois et des Français, et de l'autre parce que je pense que là, nous sommes sur un secteur qui est extrêmement important pour l'avenir de la France, qui est le secteur des télécoms, du numérique, du virage numérique, et je crois que c'était important d'inviter un acteur tel que Huawei. Merci.